Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on poursuit l'aventure du jeu Young Soul Live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Toujours là, Wadwang? Bon, s'acheter des meilleures armures. On va voir ce que ça va donner. Oh, ça a bugué. Ouais, ça a bugué. Nice. Salut Wadwan. Une pierre magique très précieuse que l'on trouve dans les grottes englouties et la terre du magma. Donc hier, j'ai pas réussi à combattre le boss. Une fois, j'ai quasiment battu. Je me suis fait tuer à la dernière seconde. Je me suis dit, on va aller s'acheter des meilleures armures. C'est un jeu que tu peux jouer à deux, mais il faut être local. Donc au même endroit. Thank you.
Non. Tu joues à des jeux dernièrement, toi? Eh mon Wawan, est-ce que tu joues à des jeux maintenant? League of Legends n'a rien, je ne prends plus autant de plaisir qu'avant. Ouais, mais c'est parce que tu joues pas au bon jeu. Aller dormir. Ah, j'ai gagné un level. C'est incroyable! Qui a construit tout ça? Les gobelins, Oh, j'ai pas fait ça à bonne place, shit. Ok. Yes, zone terminée. On l'a eu ce fois-ci du premier coup. Hier, après trois fois, on l'a même pas eu. Juste le fait d'acheter une nouvelle armure, ça a aidé. Une armure qui était meilleure que ça.
Le temple de l'eau. Cette fontaine a l'air de gerber. C'est comme si une fontaine avait une langue géante faite d'eau. Donc là, on est rendu au niveau 6. Cependant, on peut quitter. On va aller dans la chambre. On va aller augmenter de level. On peut mettre ça accéléré. Le numéro 6. Niveau suivant. Et on a gagné quelque chose pour aller au gym. Vous permet de participer à une séance de gym. Excellent. Donc là, je vais appuyer Start. Non. Ouais. Salut! On dirait que vous avez un jeton pour sentir... Où c'est là? On dirait que vous avez un jeton prêt à sentir cette brûlure dans tous vos muscles. Commencez l'entraînement. Bon, qu'est-ce qu'on prend? Force. Ah, 3, c'est mon... Ouais, 4. Hey, presque 5. Ah, c'était bon. Et là, on a gagné 1 de force pour un personnage, mais on a gagné 2 pour l'autre. Ça va au portail. Es-tu là, Wild One? Avez-vous découvert la musolée de... Je sais pas où c'est lui, ça. Avez-vous découvert la musolée de Yelarda? Un homme de courage, prêt à croire même les histoires les plus invraisemblables. Il tousse, a offert l'asile à plusieurs des camarades. Je lui dois énormément.
Il nous a aidé encore, je crois qu'il se méfie de nous, le gobant. Mais je ne peux pas lui en vouloir. Tavern Gorbin n'est pas son vrai nom. C'est un titre. Le roi sous la montagne, et quand vous prenez place sur le trône de pierre, votre ancien nom est effacé. Dès cet instant, l'on ne vous connaît plus que sous le nom de Dwarven Gorbel. Il est monté sur la pierre dans les règles, le Parlement et le Sénat, tout le monde, même moi, nous l'avons placé là. Il a mérité son titre, je ne saurais l'appeler autrement. Il fait ce qu'il pense être le mieux pour tous les gobans, et nous lui avons donné ses pouvoirs. Je suis désolé de voir que vous souffrez à cause de notre erreur. Est-ce que t'attends les voir? Les voix modifiées, ouais. Ah, excellent. Ah, zut, vu que j'ai pas rentré dans le 6, je suis prêt à refaire le 5 de nouveau. C'est stupide. Bon, ben, allez. Au moins, on va apprendre de ça. Oui, allô? Oui? Pour? Oh. Okay, quel plat? Ben, je peux y aller dans une quarantaine de minutes. Mais j'ai pas à faire, mais je pourrais aller. J'ai des affaires à aller. Peut-être. Ben, je vais aller. Je vais aller sur le Breton, là. Je pourrais aller en même temps. Ouais. À quelle place? Ah ouais, à quelle place? À quelle place?
Ok. Ben, dans une quarantaine de minutes, je vais appeler Roméo. Bye. J'aurais dû me muter, par exemple. Toi. Bon. T'es pas fan de ce genre de jeu, toi? T'aimes pas ça découvrir des nouveaux jeux? De la détermination. Ça, j'aime faire. Ben, c'est ça qu'il faut. Tu joues une heure ou deux. C'est pour ça que j'aime ça faire deux, trois jeux en même temps. Je les finis toutes. Mais je joue une heure ou deux, puis ça change. Oh.
Cette semaine, j'ai terminé Alice au pays de la folie. Là. C'était bon. J'ai joué là-dessus une quinzaine d'heures. Un petit peu plus. J'ai terminé. Le jeu est bon. L'histoire était bonne. Et là, dans ce jeu-là, il y en a un autre qui s'appelle American Maggie Alice, quelque chose comme ça. Et là, ça dure environ 7 heures. J'ai pensé, je vais attendre encore un peu, je le ferai une autre fois. Je vais me taper un Alice pendant une semaine, je vais pas même m'en taper un autre, là, direct. Tu es un boss quoi? Non, ok. Tu vois, je l'ai réanimé. On peut réanimer deux fois. Tiens! Zone terminée, temple de l'eau. C'est ça qu'il faut. Tu joues une heure ou deux par jour, tu changes de jeu, tu les termines. Pour ça, je fais 2-3 jeux à la fois. C'est pour ça que j'ai quitté avant d'activer le portail. C'est pour ça que j'ai fait le con. Oh! Steve Kao. Ah, il est revenu en vie! Voyons, tabarnak, qu'est-ce que c'est ça?
Zut. Voyons, tabarnage. Là, je l'ai eu! Quand tu le fais tomber, faut pas que tu le manques, là. Faut que tu l'achèves avant que la ligne rentre en haut. Yes. Ouais, mais il faut pas. Faut avoir une motivation. C'est pour ça que t'en fais deux, trois à la fois. Une heure par jour, à peu près. Deux heures. Puis là, tu y vas graduellement. Là, un nouveau level, tiens. Faut pas abandonner. Ça m'a déjà arrivé d'abandonner des jeux, par exemple. Là. C'est sûr. Là. C'est pour ça aussi que j'aime faire des jeux indie. Parce que des fois, ils durent pas si longtemps que ça. Après 3-4 heures, le jeu est terminé. C'est motivant, t'en fais un autre. Ça, là-dedans, il devrait juste avoir de... Il y a juste un coffre. À la clé. Bon. La porte est ouverte tout seul. J'ai jamais joué à ces jeux-là, Métro. Là, c'est un niveau 7, mais il y a aussi un niveau 7 ici qui est accessible.
Pourquoi j'ai plus de casse? Ah oui, il est là sans casse, ok. Putain! Oh non, il est revenu! Yes! Yes! Une lourde clé en argent massif grâce à elle, vous pouvez ouvrir toutes les serrures de porte de coffre et coffre. Butin du gobelin, on va aller chez notre butin.
Le bouclier. Donc là, il y a des... Ça, c'est comme le deuxième tableau. T'as comme quatre tableaux, quatre étages. Et il y a des portes que j'ai pas pu ouvrir au premier étage. Mais là, j'ai une clé différente. Donc là, je peux retourner et faire ça. Alors, c'est ça qu'on va faire la prochaine fois. Téléporter instantanément quelque part en avant, vers l'avant. Donc c'était tout pour l'aventure du jeu Young Soul Live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!